Bienvenue dans cette nouvelle bulle de sérénité. Ici Cédric Michel en direct de Mysore en Inde. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer une pratique de méditation Metta. Metta, l'amour bienveillant. On va dans cette pratique se reconnecter à notre vibration d'amour et de bienveillance et aussi à notre désir universel de vouloir vivre la paix, le bonheur et l'amour. C'est parti. Trouvez une position confortable et agréable. Puis laissez vos paupières se fermer tout doucement. Et pour commencer cette pratique, on va s'autoriser l'espace d'un instant à ralentir. Ralentir l'esprit au même titre qu'on a permis à notre corps de s'arrêter en prenant l'intention de faire cette méditation. Pour nous aider, on va ainsi prendre quelques lentes et profondes respirations. Donc je vous propose d'inspirer par le nez, puis de relâcher l'air par la bouche. Donc longue inspire, lente, profonde. Puis expirez par la bouche, comme dans un soupir de soulagement, de relâchement. Faites cela quelques fois à votre rythme. Maintenant, nous allons pratiquer l'attention et la concentration pour aider notre esprit à s'installer et à se poser dans le moment présent. Permettez à votre corps de respirer naturellement et observez où dans votre corps vous percevez le plus votre respiration. C'est peut-être au niveau de vos narines, du passage de l'air dans les narines, ou peut-être au niveau du mouvement de la poitrine ou du mouvement du ventre. Et dès que vous avez identifié la zone de votre corps où vous percevez le plus facilement votre respiration, posez votre concentration sur cette zone et suivez dans la pleine conscience chaque inspiration et chaque expiration, du tout début de l'inspire jusqu'à la fin de l'expire. On va faire ça pendant 2 minutes. Bien.
Vous pouvez aussi remarquer ce moment, cet espace de transition qui existe entre l'inspire et l'expire. Ce moment plus ou moins long en fonction de l'état d'esprit et du moment de la journée. Placez quelques instants votre conscience sur ce moment. Ce moment entre l'inspire et l'expire. Et essayez de le faire sans juger, sans rien vouloir modifier. Simplement observer. Et au cours de votre pratique de méditation, si votre esprit s'échappe vers un ailleurs, et à coup sûr il le fera, c'est la nature même de l'esprit, souriez et ramenez votre attention, votre pleine conscience à cette pratique de concentration. Et s'il y a des bruits autour de vous qui vous dérangent, vous pouvez, tout en maintenant votre attention sur l'inspiration et l'expiration, aller à la rencontre de ces sons et les suivre pendant quelques instants. Un peu à la manière d'un radar, vous posez votre attention sur un son, puis vous passez à un autre. Conscience de la respiration. Bien. Maintenant, passons à la pratique de métta. L'amour bienveillant. Vous pouvez commencer cet entraînement en vous rappelant que vous êtes assis ou allongé dans cette pièce, ici et maintenant. Et en vous revisualisant dans la pièce dans laquelle vous pratiquez, essayez de vous connecter avec votre intention la plus profonde. Ces intentions universelle pour le bonheur, la tranquillité, la paix et la sécurité. Vous n'avez pas besoin de plonger dans l'histoire du pourquoi et du comment de ce qui vous rend heureux, mais connectez simplement à ce désir naturel que vous avez. Vous pouvez aussi cultiver cette intention d'ouvrir votre cœur à votre propre bien-être en vous offrant silencieusement des phrases de métta, d'amour bienveillant. Dans votre tête, répétez-vous lentement des phrases comme par exemple « J'ai le droit d'être heureux, heureuse. Je mérite d'être heureux, heureuse. Je m'accepte à 100% comme je suis. J'aime mes qualités et je respecte mes défauts. » Vous vous répétez une ou plusieurs phrases
ou vous en inventez. Dites-les assez lentement pour que vous puissiez aussi connecter avec leur sens et l'intention qu'il y a derrière. Si ça peut vous aider, vous pouvez aussi imaginer que vous les dites à voix haute et qu'en même temps elles résonnent dans votre espace intérieur, au plus profond de votre être. Et connectez ainsi à tous vos ressentis. Acceptez votre expérience de méta, d'amour bienveillant envers vous-même. Offrez-vous ces phrases pendant quelques instants. On va faire ça pendant 2 minutes. Bien, maintenant, je vous propose de penser à quelqu'un que vous aimez bien. Cela peut être un être cher, un ami, un enseignant ou un mentor, ou peut-être même un animal de compagnie. Et connectez-vous avec votre désir naturel de voir cette personne heureuse et en paix. Comme vous, cette personne ou cet être veut être heureux, heureuse, se sentir en sécurité et vivre la paix intérieure. Et dans cet esprit de cultiver cette intention de gentillesse, vous pouvez maintenant offrir à cette personne quelques phrases de méta, d'amour bienveillant. Je te souhaite d'être heureux, heureuse. Je te souhaite d'être en bonne santé. Je te souhaite de te sentir en sécurité. Je te souhaite de vivre dans la paix intérieure et dans la sérénité. Comme précédemment, répétez-vous une ou plusieurs phrases ou inventez-en. Dites-les assez lentement pour vous connecter à leur sens et à l'intention que vous y mettez derrière. Et on va faire ça pendant 2 minutes. Offrez des phrases de méta à quelqu'un que vous aimez bien.
Bien. Laissez partir la pensée ou l'image de cette personne. Et pensez maintenant à quelqu'un de neutre pour vous, comme par exemple le facteur, le boulanger, un voisin, un collègue. Bref, quelqu'un que vous voyez régulièrement, mais que vous ne connaissez pas vraiment. Puis une fois que vous avez cette personne en tête, soyez dans la conscience que cette personne veut être heureuse elle aussi. Vous ne devez pas nécessairement savoir ce que le bonheur représente pour elle. Et encore une fois, offrez simplement à cette personne des phrases de gentillesse en relation avec cette intention de vivre du bien-être. Je vous souhaite d'être heureux, en bonne santé, de vivre dans la tranquillité. Imaginez les phrases ou répétez les phrases et envoyez des phrases de metta à cette personne pendant 2 minutes. Ok. Laissez aller la pensée ou l'image de cette personne. Puis maintenant, un petit peu plus dur, mais tout aussi intéressant, pensez à quelqu'un avec lequel, laquelle vous avez le plus de difficultés. Pas forcément quelqu'un que vous détestez, mais juste une personne que vous n'aimez pas vraiment. Ou quelqu'un qui vous agace. Puis une fois que vous avez cette personne en tête ou en image, connectez quelques instants avec votre désir commun, universel à tous les êtres, de vouloir connaître la paix, le bonheur et l'amour. Et sur cette base d'humanité commune, offrez quelques phrases de bienveillance à cette personne. Des phrases comme par exemple « Puissiez-vous être en paix, en sécurité ?» Connectez à votre intention de bienveillance et partagez votre bienveillance, votre amour bienveillant envers cette personne. On va faire ça pendant 1 minute.
Bien. Maintenant, pour finir, observez comment cette énergie d'amour et de bienveillance est très présente en vous en ce moment. En réalité, après un exercice comme celui-ci, vous êtes totalement aligné sur une vibration d'amour et de bienveillance. Observez la manière dont votre esprit vit cela. Observez aussi comment ça se manifeste dans votre corps. Puis, intuitivement, essayez d'associer une couleur à cette énergie d'amour et de bienveillance. La première couleur qui vient. Puis quand vous avez votre couleur, imaginez que cette couleur que vous avez associée à l'amour et à la bienveillance colore chaque partie de votre corps, chaque cellule, jusqu'à l'unité la plus petite de votre corps. Imaginez cela, visualisez. Puis, chargé de cet amour, de cette bienveillance, vous allez imaginer et visualiser que vous faites rayonner cette lumière, cette énergie, que vous la partagez au monde autour de vous, mais également jusqu'aux limites maximum que vous pouvez imaginer, au plus loin que vous pouvez imaginer. D'abord, vous pouvez imaginer que cette couleur rayonne dans la pièce dans laquelle vous pratiquez, puis à l'ensemble de votre maison ou du bâtiment dans lequel vous habitez, puis à tout votre quartier, toute votre ville, tout votre pays. Puis imaginez que le monde se colore de cette couleur de bienveillance et d'amour. Et une fois que vous avez bien cette image et en même temps ces sensations à l'intérieur de vous, prononcez quelques phrases d'amour et de bienveillance que vous offrez maintenant au monde. Laissez-vous guider par votre intuition et expirez cette vibration de bienveillance et d'amour. Rayonnez-la, diffusez-la. On va faire ça pendant 2 minutes.
Ok, très bien. Pour finir cette méditation, reprenez simplement quelques longues et profondes respirations. Et tout doucement, quand ce sera le bon moment pour vous, commencez à vous étirer. Et pendant les prochaines heures qui vont suivre, soyez curieux et revenez à la conscience de votre corps pour remarquer comment cette énergie d'amour, de metta, est toujours présente en vous. Ainsi s'achève cette méditation. C'était Cédric Michel pour vous accompagner. Si cette méditation vous a plu, partagez-la le plus possible. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à télécharger l'un de mes bonus sérénité en cliquant soit sur le symbole i ou soit sur un des liens dans la description. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que prendre du temps pour vous, c'est vous accorder de l'importance.